Bonjour, je m'appelle Andrea, je viens de Cork et j'ai 23 ans. Que puis-je dire sur moi? Je suis tout simplement géniale et je suis venue ici pour, bien sûr, gagner cette compétition. Salut, je m'appelle Charlotte et j'habite à Dublin, à côté du Stade de Riva. Aujourd'hui, je vais faire le croque-monsieur et si je gagne, je vais sauter de joie. Bonjour, je m'appelle Noël, je viens de Mayo. Et j'espère que je gagnerai le concours. Je suis prête à tout. Salut! Je m'appelle Sarah et j'ai 18 ans. Je suis une étudiante à DCU et aujourd'hui, je vais préparer des crêpes. À mon avis, je vais gagner la compétition. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train de couper le jambon et le tomate. Et puis je ferai la pâte et je la ferai cuire à four pendant 40 minutes et je croise les doigts. D'accord, bonne chance, bonne continuation. Merci. Alors, comment ça se passe? Tout se passe très bien, chef. J'ai fait du pain hier pour ça. Tu penses que c'est parfait? Elle doit être parfaite pour ça. Je veux gagner. Très bien, bonne chance. Alors, Andrea, comment ça se passe? Bonjour, chef. Tout se passe bien. Maintenant, je dois battre deux œufs dans un bol. Et après, je dois faire tremper le cordon bleu sur tout se passe. Très bien, continuez comme ça. Bonjour, Sarah. Bonjour, chef. Où vous en êtes? J'ai déjà ajouté le confit, les deux œufs et la pensée du sel dans le récipient. Et maintenant, je le mélange et je vais le cuisiner. Très bien, votre continuation. Merci. Bon appétit, chef. Merci. Je vous ai préparé une quiche reine et j'ai choisi ce plat parce que je pense que tout le monde aime la quiche et ma mère la faisait souvent. Et c'est ma propre recette. J'ai ajouté du fromage et du jambon et bien. J'espère que vous l'aimez. C'est très bon. Bravo. Oh, merci beaucoup. Bonjour, chef. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai fait une plate française qui s'appelle le croque-monsieur. Vous connaissez, bien sûr? Bien sûr. Génial. Maintenant, c'est une recette différente. Il n'y a pas de béchamel. Vraiment? Oui. J'ai étalé du moutarde de Dijon sur du pain et mis du jambon et du fromage, gruyère, bien sûr. J'adore. Je l'adore. C'est crémeux et fondant quand il est jaune. Je préfère de sa façon. Puis j'ai coupé en forme de triangle et mis dans le plat. Ensuite j'ai saupoudré du fromage râpé et cuit au feu pour 30 minutes et voilà. Très bien. C'est très bon. Félicitations. C'est très très bon. Bonjour, chef. Bonjour. Et en fait, je l'ai fait parce que le premier temps que j'étais en France, le chandelier avait bu. Très bien. Bon. Merci. C'est délicieux à mon avis. Ouh, c'est pas bon. Ouh, c'est vraiment pas bon. Non. Oui, c'est l'un de mes plats préférés parce qu'il est rapide à faire et c'est délicieux.
Très bien. Pourquoi l'avez-vous cuisiné? Mon maman est aussi une grande chef et je me souviens qu'elle a fait le cordon bleu pour le dîner. Mm-hmm. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai préparé une sauce de champignons. Mm-hmm. Parce qu'en général, la poitrine de poulet est un peu sèche. C'est vrai. Savez-vous d'où proviennent les origines du cordon bleu? Ah, il y a de nombreuses théories concernant cette histoire. Une théorie est qu'il a été invité à Paris à la fin des années 1800. Mm-hmm. À l'école Cordon Bleu, mais cette théorie ne pourrait être exactement. Un autre est qu'il a invité un Suisse. Un chef suisse, il n'avait pas, pas de viande pour nourrir ses invités. Donc, elle a décidé de rajouter la viande avec du fromage et du jambon. C'est vrai qu'il est très difficile de trouver les origines des recettes dues aux différents pays, aux différents ingrédients qu'on peut utiliser. Donc. C'est très bon. Le poulet est très bien cuit, ce n'est pas sec du tout. Et la sauce est très très bonne. Félicitations. Merci beaucoup, super. Vous avez un très beau concours. La qualité sans fin. Mais j'ai dû choisir une gagnante parmi vous, et donc la gagnante est Andrea. Wouh, c'est génial! Je ne reviens pas. Salut! Salut! C'est pas grave, je t'apprendrai à cuisiner, y'a pas de problème.